Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 14 mai 2023. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je me mets encore devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore réfléchir sur notre chère République démocratique du Congo. Je dois d'abord m'excuser pour ce temps dans lequel je suis absent un peu régulièrement sur vos écrans. Je sais que vous me réclamez beaucoup, mais beaucoup d'entre vous ont su que nous étions en deuil ici à Johannesburg. Nous sommes en deuil où nous avons perdu un des membres de la communauté Nande ici, un garçon à fleur d'âge dans les quarantaines. Il s'appelait Makelele Makeo, dont nous inclinons sur sa mémoire. Donc nous l'avons perdu, il est donc passé. C'est comme ça que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Son enterrement va être ce week-end. Donc c'est pour cela que vous n'allez pas vraiment me voir beaucoup, surtout cette semaine où nous sommes pratiquement préoccupés par cette perte que nous avons subie au sein de la communauté. Sa photo, vous allez la voir ici. Donc, en tout cas, nos condoléances à tout le monde. Et puis, aussi à la famille qui est restée au pays. Donc, c'est ça, donc, la vie continue. Entre-temps, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même qu'on vienne parce que vous aviez beaucoup appelé. Il y a l'actualité qui s'enflamme. Il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus et dont vous voudriez que nous puissions vous donner notre point de vue. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce qui se passe encore la République démocratique du Congo avec cette actualité qui va de gauche à droite. Il y a la fixation de la chambre permanente du Parlement, il y a du Sénat et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, on parle des caméras, mais nous nous sommes dit, nous allons réfléchir sur un sujet qui nous préoccupe aussi, qui est l'épine dorsale ou la reconstruction finalement de notre pays. C'est quoi ce sujet-là? Ce sont les sujets brillants, c'est-à-dire nous allons réfléchir sur la gestion de notre pays. Nous allons réfléchir sur l'application même la constitution elle-même. Pourquoi est-ce qu'on se rue sur le changement de cette constitution? Quel est le réel problème? Et donc, comme vous l'avez lu dans le sujet, c'est quoi le problème que Félix Tshisekedi doit résoudre en République démocratique du Congo? Est-ce que le président de la République actuelle avec ses hommes connaît-il réellement le problème de ce pays? Quel est le problème qui génère les guerres à l'est de la République démocratique du Congo? Qui génère les fuites des capitaux? Qui génère à ce que les gens puissent être des margoulins, des voleurs, les gens à ne pas respecter les textes? Quel est le réel problème qui cause à ce que les institutions du pays ne fonctionnent pas normalement? C'est quoi le réel problème? Est-ce que nous nous attelons vraiment à ce problème-là, à attaquer ce problème-là pour chercher des solutions? Voilà un peu ce qui va nous réunir un peu ce soir, cet après-midi, dans cette émission Réflexion. Et nous allons essayer un peu de vous expliciter encore ce que nous prenons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Restez donc avec nous pour en savoir encore un peu plus comment est-ce que nous envisageons l'implémentation de cette solution que nous prenons ici à Réflexion en Contact Pro Live. Donc, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude dans cette émission Réflexion, nous vous donnons le grand titre à la une des journaux ce matin. Aujourd'hui, nous sommes donc un mardi. Donc, nous allons vous donner les grands titres de ces journaux-là qui paraissent sur Internet. Bien sûr, il y a beaucoup de journaux, mais nous sélectionnons 5 journaux dont nous vous lisons les titres. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller là-bas pour avoir un peu plus d'informations. Et donc, allons-y lire ces grands titres et puis revenons ici pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Béni, mandat d'amener lancé par l'auditorat militaire contre le politicien Narcisse Sombé, membre de l'UNC. Guerre à l'Est, la RDC renforce l'arsenal
des drones, son arsenal militaire de drones à Goma. Goma, la société civile opposée aux exonérations fiscales accordées à Bahati Lukwebo. On va sur actualité.cd. RCD A2F, une nouvelle incursion sanglante fait 11 morts. Et puis, FECOFA clôture ce mardi de l'atelier de formation et de sensibilisation contre le dopage. Nouvelle bombe sur la population civile à Minova. 2 morts enregistrés. On va sur Congo profond, la lexithymie des autorités congolaises face à la souffrance du peuple. Le sérieux en veste, le ministère des Affaires étrangères de la RDC impose une police vestimentaire plongée au cœur du contrôle des engins du chef rebelle dans le gouvernement provincial. On va sur 7 sur 7, Assemblée nationale, Mbosso dépose sa candidature au poste du deuxième vice-président. Et puis, ticket de l'Union sacrée, bureau définitif de l'Assemblée nationale, une frange de députés récale certaines candidatures. Et enfin, élection du bureau de l'Assemblée nationale, des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale rejette le ticket proposé par le président de l'Union sacrée. On va terminer par Radio Okapi, Assemblée nationale, Vital Kamerhe est candidat unique de la présidence au bureau définitif. Et puis Assemblée nationale, toujours Christophe Mbosso et Moussa Nyamwisi en compétition pour le poste du deuxième vice-président. On va terminer, le gouvernement veut améliorer la qualité des soins des personnes vulnérables. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, donc à l'est de la République démocratique du Congo, il y a une certaine accalmie. Et beaucoup de gens peuvent se poser, vous m'aviez beaucoup posé cette question-là. Germain, tu parlais de M23, pourquoi est-ce qu'ils n'avancent plus? Ils ne prendront pas Goma, vous voyez. Les gens sont en train de maculer avec des questions. Moi, je ne suis pas du M23, Bande Konangaï. Je ne travaille pas pour le M23. Moi, je vous ai dit que les informations que je vous donne, ce sont les informations. Nous faisons des analyses. Nous voyons ce qui nous tombe sur la main et nous essayons de l'analyser et nous essayons de réfléchir. Est-ce que c'est ça dont nous avons besoin en République démocratique du Congo? Moi, je ne suis pas un acteur politique qui manipule les informations ou une certaine... Non. Moi, je réfléchis sur une idée que nous pouvons implémenter en République démocratique du Congo. Que ce soit les rebelles qui viendront, s'ils ont la chance de prendre tout le pays. Que ce soit Félix qui est là, le pouvoir qui est là aujourd'hui. Que ce soit de l'opposition. Que ce soit le mal, le parti politique en mal d'idées pour la gestion de notre pays. Peuvent se ressourcer chez nous parce qu'ici, nous réfléchissons. Chers amis, ici, nous réfléchissons sur la gestion du pays. C'est tout simplement ça. L'actualité que nous vous qui vient, nous prenons cette actualité-là, nous réfléchissons si cela peut faire sortir notre pays dans ce marasme dans lequel nous sommes. Ainsi donc, le sujet que nous développons ici, il y a une certaine idéologie. Nous voulons à ce que les gens puissent ouvrir l'œil, et l'œil le grand, en disant... Bandeko o baza ko proposer biso boye. Mais quelle est vraiment la réalité de notre pays? Tozo kende wapi? Nini yango foto sala poto to bongisa mboka na biso. C'est ça le but de notre émission. Nous ne sommes pas là en train de dire que non, celui-ci a fait ceci, là, il est mauvais et bah o basali boye bazui mando ki tout ça. Vous me posez la question à quand la prise de Goma? Est-ce que moi je suis du M23? Bandeko nga na za mutu M23 te. Est-ce que vous pensez que vraiment cette guerre-là va apporter une solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous ne faisons que réfléchir. Nous ne faisons que voir que Batuo Bazakoya, Basimbi Mandoki, ils vont s'imposer. Et nous réfléchissons sur les conséquences de cette imposition-là. Conséquence, c'est qu'Ozalanini, ce qui est M23, Ezui Mboka Namandoki.
quelle est l'importance de cette discussion dont nous prenons ici que bah, il faut vendre bas solo là. Voilà les conséquences, parce que toute action que nous prendrons, action on a éco-produire un certain résultat. Ce qui est action on a malamouté, résultat peut causer la malamouté. Si nous ne savons pas comment réfléchir à la gestion de notre pays, bien sûr nous allons tâtonner et au finish nous allons faire que tourner en rond. C'est comme cela que nous nous disons, au moins que nous puissions apporter, vous au peuple congolais, bato baza kolanangai, une certaine manière autrement faite au ndengezo kosalema na ba media mususu. D'autres personnes vous donnent les informations, bazo pesa bino salema kiboye, bazo kiboye, basala kiboye, botala ba boma kiboye, ba bombarda kiboye, tout ça. Nous ce n'est pas ça. Nous prenons l'actualité, mais nous nous disons, bato baza na la pouvoir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bato baza ko bunda po baya na pouvoir. Et loko nini ango osengeli esalema na mboka na biso pour que batu nyonso tu ba sepela ou bien mboka mobimba ekende na développement. C'est ce que je disais depuis 2019. Qu'importe qui sera là, est-ce que c'est le mode de gestion qui est mauvais? Est-ce que ce sont les hommes qui sont mauvais? Est-ce que ce sont nos institutions? Voilà les grandes questions que nous prenons ici et nous commençons à analyser. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord savoir quel est le réel problème que traverse notre pays, selon moi. Ça, c'est mon point de vue. Et ne perdez pas de vue que Awa Eza Edito, c'est un éditorial, c'est mon point de vue à moi. Je ne suis pas en train de parler avec quelqu'un. Et ce que je parle ici, ce n'est pas une parole d'évangile. Il peut y avoir des failles dans mon raisonnement. C'est comme cela que je demande et j'apprécie surtout Bino Bato, Bozako s'abonner Sikoyo, Bino Bato, Bozako tika ba commentaire, Bino Bato, Bozako sala ba recommandation na émission. C'est parce que nous ne sommes pas 100% totalement raison, nous n'avons pas raison que nde tozo lobande za parole d'évangile. Non. Voilà un peu dans quel contexte nous travaillons sur Contact Pro Live. Comment est-ce que nous pouvons réfléchir et sortir notre pays dans cette optique-là du chaos dans lequel il est maintenant. Aujourd'hui, celui qui va vous dire que le pays marche, celui-là est en train de vous tromper. Moi, je suis en exil. Mais les gens qui sont en République démocratique du Congo, qui vivent normalement leur vie, c'est difficile en République démocratique du Congo. Ezala na Lubumbashi, ezala na Équateur, ezala na Kinshasa, ezala na Arubia, na Kisangani, na Baouele. La situation est catastrophique en République démocratique du Congo. Toza komona ke batu mususu baza koyiba mbongo. Et puis, c'est comme si ceux qui sont au pouvoir n'ont pas cette envie à ce que Tolongwa Nababiloko Oyo. Ceux qui sont au pouvoir continuent à faire ce qu'ils veulent. Sans tenir compte que non, Mboka Oyo, il faut to sala Moussala. Moussala ango toko sala nini, toko longola Mboka Oyo na Katia, Boumbo tozanango, ya sous-développement, ya insécurité, ya kimoibi. Alors, quels sont les problèmes là? Parce que nous avions posé une question. C'est quoi le réel problème en République démocratique du Congo? Bandeko, ngai na de cela qui a erreur, il y a analyse. L'erreur de se confier ailleurs, l'erreur de ne pas avoir confiance en nous-mêmes. Ça, c'est le premier point. Donc, nous pensons toujours que la solution viendra d'ailleurs. Ça, c'est une grosse erreur. Et ça, nous pensons que Félix Tshisekedi continue à commettre cette erreur-là. Bandeko, pourquoi dans le Biboué? Parce que la guerre de l'Est, la guerre qui se vit à l'Est, ce n'est pas tout simplement à l'Est de la République démocratique du Congo. Cette guerre a une autre forme à Lubumbashi, dans le Katanga. Cette guerre a une autre forme à Kinshasa. Regardez comment Kinshasa est géré aujourd'hui. Mais vous allez voir que cette erreur-là que nous commettons, c'est de penser que c'est quelqu'un d'autre qui viendra construire, qui viendra même balayer pour... Erreur ouan eza kouta na niveau à l'État. Hein, mes chers amis. L'État congolais, aujourd'hui, il est
absolument kaput. Il ne fonctionne pas à tous les niveaux. Peut-être que l'État congolais, que je peux dire aujourd'hui, fonctionne tout simplement au niveau des ministres, au niveau des conseils des ministres, au niveau de Kinshasa, par les gens qui détiennent les monopoles. C'est par là que l'État fonctionne. Mais l'État ne fonctionne pas comme celui qui engage le pays ou quoi que ce soit. L'État ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est ça le problème. Et comment cet État ne fonctionne pas? À cause de, un, il y a ce que nous appelons, les textes ne sont pas respectés ou les hommes sont au-dessus des textes. Nous pensons que ce pays appartient à Tshisekedi. Et tous les politiciens, la classe politique qui devrait être en prison, nous sommes réduits au niveau politique. Nous pensons que ce pays appartient à un seul homme. Mokonzi Mboka, vous allez attendre cette idée-là. Mokonzi Mboka Lobiboy, c'est celui-là, c'est sa vision. On oublie que nous sommes régis par une constitution. Et c'est à peine même, parce que Tokomi Nasuka, on n'a pas de solution, on pense que Mokonzi, kaka vision Mokonzi, on a faire développer Mbokanabiso. Et lorsque vous posez la question de savoir quelle est la vision du chef de l'État, vous trouvez des réponses vides. Et même lui-même, le chef de l'État, il ne sait pas là où il est en train de partir. C'est ça malheureusement qui fait défaut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens sont absolument ignorants du problème de la République démocratique du Congo. En commençant par le chef de l'État lui-même. Quand on a le pouvoir en main, ce n'est pas tout simplement être là, être en train d'être plébiscité ou bien à être adoré ou quoi que ce soit, comme on le dit, Moukwantombolo, Félix, c'est ça, diriger le Congo. Non! Ça demande de la réflexion, du travail. Vous êtes là comme Mungamba, le peuple congolais. Vous êtes là pour travailler pour le peuple congolais. Vous n'êtes pas là pour vous-même. C'est ça le grand problème. Vous ne pouvez pas être là pour vous-même. Le problème de la République démocratique du Congo ne s'arrête pas chez vous. Ce n'est pas vous, parce que vous êtes là et que toutes les choses, les bonnes choses seront là. Non. C'est ça le problème que nous pensons que nous, Congolais, des problèmes, ils ont la Congo et Angwana. Il faut que nous ayons un Tumoko bien. Il faut que nous ayons un chef de l'État qui est beau. Il faut que nous ayons. Non! Le pays doit fonctionner. Et le pays doit fonctionner comment? Il faut que les gens travaillent. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas. Mais est-ce que ce qu'ils font contribue à nous faire sortir dans ce marasme dans lequel nous sommes? C'est ça justement le grand problème. Le grand problème, c'est celui-là. Le grand problème, c'est celui-là. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas en train de nous développer. Parce que nous croyons que c'est l'homme... Le chef de l'État va faire tout. Nous croyons que ce pays appartient au chef de l'État. Nous ne nous sommes jamais appropriés de ce pays, malheureusement. Nous ne nous sommes jamais appropriés de ce pays. Nous n'avons jamais cherché à savoir quel est le réel problème. Mutumoko bande ko ebisanga lobite mobutu pe azala ki pende ngwana tango azuazwa ki mboka akanisa ki ke je kamine kotika la kande ngwana. Nous devons lutter, c'est une lutte perpétuelle pour le développement. Nous devons maintenir ce qu'il y a et ajouter à ce qu'il y a ce qui doit venir. Mais notre pays est resté dans le passé. Regardez l'aéroport d'Ndjili. Depuis combien d'années, cet aéroport est resté comme ça. Mais ce qu'on a visité, Bamboka, Moussous, et nous avons traîné le pas. Et c'est maintenant là que nous nous posons la question, d'où vient cette erreur? Erreur, on est où Takawapi? Oh, toza kokoka kobimate na babiloko totonga pe ba autoroute neti ba bamboka mususu. Tout ça vient de la gestion même du pays. Et la gestion du pays, ils ont utawapi
la non-application de, cette, de nos textes fondamentaux. Nos textes fondamentaux ne sont pas bien appliqués. Moi, c'est ce que moi je pense. La constitution n'est pas bien appliquée. Aujourd'hui, nous pouvons changer cette constitution comme nous la voulions. Mais dès que nous n'appliquons pas ces textes-là, dès que nous ne marchons pas à respectant ce que nous nous sommes dit, que voilà l'idée, voilà mobeko mokonzi, mobeko li konzi na biso oto kubanda kolanda. Tant que tokosale la yangote, nous allons voir que nous allons tourner en rond. Et c'est ça la grosse erreur de ne pas appliquer la. Nous pouvons avoir de nouvelles textes aujourd'hui, mais si nous n'apprenons pas à dire, à faire ce que nous nous avons dit, à ce moment-là, nous sommes à côté. Nous n'allons pas nous développer. Parce que l'élo, Okoyo Kache, Félix Tshisekedi Alamou qui l'élo a l'obité, et sa constitution des Amabé. Te, et Zali, FCC de Moutouza qui bloqué Ngaï. Oh boy. Et tous nous qui sommes derrière Tshisekedi, ou nous, le peuple, nous pensons que c'est ça, cette pensée unique, que cet homme-là est en train de penser, qui sera, qui. C'est par ces pensées-là que nous obtiendrons le développement. Nous pensons que ce qui est le moka oyo na mutu moko, on dirait moka ngweza moka nae, ne développement moko e kozala. Té! Nous sommes en train de nous mentir, toza ko se komiko sapamba. Que c'est par là qu'il fallait commencer à changer les choses. Mais nous allons les changer comment? Parce que même aujourd'hui, changer cette constitution, ça devient un peu. Ça demande beaucoup de choses. Et ça, dans Babylon, que Bélé. Parce que ce qui. Président, tout ce que le président va faire, et ça, Batounios, surtout, Bakondi Mangote, il est en train de le faire pour se maintenir au pouvoir. Or, rappelez-vous de notre émission ici. Depuis 2019, nous disons que dans cette constitution, il y a des matières qu'il faut vraiment revoir parce qu'elles ne cadrent pas dans la bonne gestion de notre pays. Nous avions demandé, depuis 2019, que nous puissions entamer des réformes modificationnelles de notre constitution. La forme même de l'État, c'est un problème pour nous parce que la façon dont nous sommes en train de diriger notre pays, semi-centralisé, semi-décentralisé. Et même nous ne comprenons même pas la décentralisation, c'est comment? Qui est prôné dans cette constitution? Nous ne l'avons jamais appliquée. C'est ça donc le problème qui nous gangrène aujourd'hui.
Nous ne savons pas où nous pouvons nous tenir aujourd'hui. Où est-ce que nous allons nous tenir? Nous tenir dans un environnement où un pays, nous ne savons pas si nous sommes dans un système présidentiel, nous ne savons pas dans quel système, c'est un système parlementaire, nous ne savons. Et là, nous commençons à vivre aux humeurs des gens. Parce que si nous pouvons appliquer la décentralisation ou bien la démocratie, il y a des règles qui sont même écrites dans cette constitution-là, mais nous ne les appliquons pas. Et nous allons commencer à dire que cette constitution est mauvaise. Ou bien c'est parce que nous nous accaparons de tous les pouvoirs au lieu de se dire que non. C'est ça ce que nous devons appliquer, que nous devons respecter. Au fait, nous commençons à respecter ce que nous pensons au lieu de respecter ce que nous avions sorti de notre tête et mis sur, tête, sur un bout de papier ou bien une loi que tout le monde respectera. Nous devenons imprédictibles, c'est-à-dire que le président aujourd'hui peut se réveiller et se dire non, moi je ne suis pas en train de bien faire mon travail parce que la guerre elle est à l'est. On est en train d'envoyer beaucoup d'argent là-bas. Et tout le monde va accepter en disant que non, écoutez, c'est ça, le président a dit ceci. Ça, or là, nous sommes en dehors, nous sommes dans une fausseté terrible. Et donc, moi, je pense que c'est là le grand problème que nous devons résoudre, à savoir d'abord respecter nos engagements, à savoir respecter les textes. Même si cette constitution, elle est mauvaise, mais est-ce que nous l'appliquons? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que l'application de cette constitution, elle est faite dans de bonnes, de la façon dont nous les avons conçues? Pour que nous puissions constater que non, il y a ceci. Les modifications, moi je n'ai pas dit que nous devons balayer par exemple toute la constitution, non. J'avais parlé depuis 2019 qu'il y a, surtout dans le fonctionnement de l'État, c'est comme ça que j'ai dit que le réel problème qui se pose en République démocratique du Congo, c'est la gestion même de cet État-là. Comment nous gérons nos populations? Comment nous gérons nos minéraux? Comment nous gérons notre avenir? Comment est-ce que nous programmons le peu d'argent que nous pouvons avoir, comment nous les consommons? C'est la gestion même de ce pays qui nous échappe. Est-ce que Félix Tshisekedi peut être capable de suggérer un autre mode de gestion? C'est là le grand problème. C'est là le grand problème. On ne peut pas avoir un homme qui ne sait pas ce qu'il doit faire à la tête de notre pays. Nous l'avons, cet homme-là, effectivement. Il est là, ne sachant pas qu'est-ce que nous devons faire l'année prochaine. Aujourd'hui, par exemple, en attendant un autre gouvernement, il y a des procédures que la Constitution demande à ce que nous puissions suivre pour la nomination d'un Premier ministre. Mais nous n'avons pas suivi ça. Le président a nommé un Premier ministre comme ça. Or, selon la Constitution, ça devrait venir de tout l'ensemble de cette majorité au Parlement qui devrait se consulter. Même à formuler d'abord une mode de gestion. Comment est-ce qu'ils vont gérer et à qui maintenant responsabiliser? Ça devrait venir de là. Je crois que vous avez vu en 2006 et en 2011 aussi qu'il y avait ce même problème. Mais le Parlement devrait suggérer des personnes qui devraient bien travailler avec Kabila. Mais tout aujourd'hui, nous avons vu le contraire. C'est le président qui s'est choisi. Donc nous avions massacré pratiquement cette constitution-là. Donc, on n'a pas respecté ce que nous nous sommes dit. Voilà le réel problème qui se pose en République démocratique du Congo. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut changer les choses. Maintenant, nous, quelle est notre suggestion ici? Quelle est notre suggestion? Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater la succession des idées que nous développons ici, qui est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et c'est ça la solution que je voudrais maintenant expliquer ici. Alors, nous avions pensé d'abord, pour terminer ce que nous appelons les tricheries ou bien les non-applicabilités de la chose, c'est parce que nous avions cessé de faire fonctionner la base. Les responsabilités qui devraient être faites au niveau de la base ont été vidées de cette base-là pour venir
au niveau de la capitale. Toutes les grandes les autorisations qui devraient être octroyées au niveau de la base, la capitale a pris ça. Et même ça, vous allez trouver ces erreurs-là au niveau de la Constitution, dans le fonctionnement de l'État. Les responsabilités qui sont données aux provinces, parfois sont cumulées entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Et là, vous trouvez une certaine cacophonie terrible. C'est comme ça que nous avions suggéré en disant le nombre de ministres qui devraient être au gouvernement central, on devrait changer ça. Ça devrait être le nombre de ministres au niveau provincial. Pourquoi? Parce que le grand travail devrait être fait par les provinciaux. Vous allez voir que si le travail qui est fait au niveau des provinces est déjà bien fait, au niveau du gouvernement, nous ne pouvons pas même avoir beaucoup de ministres. Le gouvernement central pouvait peut-être contenir ne fût-ce que 25 ou 30 ministres au lieu de ces 65, ce gouvernement éléphantesque. Et cela devrait en principe donner beaucoup plus de travail dans les provinces que dans la capitale. On devrait à ce moment-là donner beaucoup plus de responsabilités au niveau des provinces. Dès que les provinces auront à résoudre les problèmes localement, le pays devrait fonctionner normalement. Pourquoi j'ai dit aux provinces? Regardez maintenant. Même les assemblées provinciaux sont toujours caporalisées par le ministère de l'Intérieur. Tandis que les gouvernements provinciaux et les parlements provinciaux devraient être pratiquement indépendants dans ce système-là de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que les gouverneurs devront être contrôlés par les députés provinciaux et ayant dans leurs attributions le contrôle de la gestion. Mais comme on n'a pas beaucoup à contrôler en province, tout est fait à Kinshasa, ce ne sont que des histoires qui n'ont pas de sens. C'est comme ça que les ignorants, vous allez les entendre parler en dire que non, il faut supprimer les comités, les gouvernements provinciaux, ou bien le parlement provinciaux, il faut les supprimer parce que ça n'a pas de sens. Effectivement, pourquoi? Parce que nous sommes en train de ne pas savoir exactement là où nous allons, dans quel système nous sommes. Voilà le grand problème. Et ça se manifeste même dans le fonctionnement des provinces. Vous allez voir les provinces qui ont beaucoup de ressources, mais leurs gouvernements provinciaux n'ont pas d'argent. Vous allez voir que les gens se poumonnent en se battant là-bas, mais ils n'ont pas d'argent. Là, tout l'argent est envoyé à Kinshasa. Ici, j'ai donné l'exemple, je disais, le port d'entrée de Kasumbalé, ça donne combien au gouvernement du province du Katanga? Qu'est-ce que le gouvernement provincial bénéficie de ces histoires-là? Parce qu'il y a des taxes qui sont directement perçues par le gouvernement central. Et ainsi, les provinces sont dépouillées. Qui devraient être en principe gérées par le gouvernement provincial. Mais tout ce que les gouvernements provinciaux, ce sont des miettes. Et donc, il est beaucoup plus facile d'être corrompu au niveau de la capitale qu'au niveau provincial. Parce qu'au niveau provincial, lorsque les gens se sentent que non, ici nous devons développer notre province, on n'a jamais vu une certaine concurrence dans les provinces, non. Pourquoi? Parce que le pouvoir est encore retenu à Kinshasa. C'est ça qui empêche effectivement le développement de ces provinces-là. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que les ressources, qui devraient le mettre ensemble en disant nous avons par exemple 40 millions à gérer et voici les grands problèmes, voici les défis que nous devons relever aux provinces, voici ce que nous avons en main, comment est-ce que nous devons travailler. À ce moment-là, le travail se fera parce qu'au niveau des provinces, il n'y a pas beaucoup de cacophonie là-bas. Les gens se connaissent, ils disent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Les mécanismes de contrôle étant sur place, donc les détournements ne devront pas être beaucoup plus comme nous les avons aujourd'hui.
Les provinces n'ont plus ce pouvoir-là de se contrôler entre elles. Vous aviez entendu que non, c'est l'IGF qui doit quitter Kinshasa pour aller contrôler le Lualaba. Quel est le jour où l'IGF est parti contrôler la province du Tchopo? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Or, il y en a. C'est ça donc le problème que nous pensons que cela doit être résolu dans ce que nous appelons, qui sera résolu par le système que nous appelons ici la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Le pouvoir des institutions au-dessus des hommes, ça c'est un casse-tête que nous avons depuis longtemps. Et c'est ce que je vous disais que par là, nous pensons que Tshisekedi est le tout-puissant. Et il commence même à prendre goût à cela en disant que bon, nous allons faire ceci. Vous voyez déjà le comportement d'un monsieur qui se croit qu'il est roi. Sa parole, c'est ça le problème qui se pose dans cette constitution-là. Et lui-même a dit que non, ne faites pas de moi un dictateur. Vous l'êtes déjà. Quand tout le monde commence à vous adorer par les textes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore vous donner beaucoup plus de pouvoir parce qu'ils ne comprennent pas exactement quel est le réel problème que nous faisons face, qu'on peut résoudre pour que nous puissions être à mesure de développer notre pays. Nous ne les comprenons pas, nous ne voulons pas comprendre ça. C'est ça justement le problème qui se pose, mes chers amis. Alors, nous allons essayer un peu de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et dès que nous aurons terminé le problème que nous avons de famille, avec des deuils que nous avons, nous allons encore recommencer régulièrement nos émissions. Et je crois que vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous donne ce petit temps où vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos abonnements. Et lorsque vous suivez, par exemple, comment nous développons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, ayez quand même cette envie de connaître ce qui va venir quand vous allez vous abonner et vous activer la cloche des notifications. Vous serez notifié lorsque nous allons faire la suite de cette émission. Nous vous disons donc merci pour avoir été là jusque-là. Merci pour ceux qui ont pris la décision de s'abonner encore une fois de plus. Merci pour nos amis de Kalemi. Merci pour les amis qui sont à Aru. Merci pour aussi les amis qui sont en France, bien sûr. D'ailleurs, c'est vous qui m'appelez régulièrement et nous discutons. Ces derniers temps, comme je vous disais, mon téléphone n'est pas ouvert parce que nous faisons face au problème de deuil. Et dès que nous aurons terminé, nous allons encore commencer à reprendre et à répondre à tous vos messages. Portez-vous bien donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.